bien, c'est qu'il commence à arriver. Les groupes arrivent de partout, dans tous les secteurs de succès de Bom. Tous les villages, il y a une convergence sur le bossé. Et je pense qu'il y aura peut-être plusieurs milliers de personnes aujourd'hui. C'est une réussite, les élus sont avec nous aussi. Et c'est qu'un début sur le combat contre la LGV. Laurent, qu'est-ce que vous souhaitez à travers cette manifestation ? Montrer d'abord que la population, elle, n'avait pas été informée, ni consultée, et qu'aujourd'hui, elle est totalement opposée aux tracés qui sont proposés, voire au principe même de cette LGV qui va être excessivement coûteuse et désastreuse pour nous. Jusqu'où vous êtes prêt à aller ? On va aller très loin, jusqu'au bout, pour que ce projet soit abandonné, tout simplement. Et on a les viticulteurs, on a toute la population, les acteurs économiques qui sont avec nous. Ça veut dire que la population est mobilisée contre ce projet. Vous êtes satisfait quand même de la mobilisation là ? Mais c'est extraordinaire, vous allez voir, il va y avoir un monde de fous. La sono ne va pas être assez puissante et les élus sont là. Donc bon, il y a une union totale contre ce projet. Merci. Merci à vous. Ça va ? Oui, mais quelle est votre position sur ce projet qui est quand même un projet ? C'est un projet d'État, c'est un projet régional, je suis d'accord. Ceci étant, aujourd'hui, on est à une autre phase, à une phase de décision s'agissant du positionnement des tracés. Or, les tracés qui viennent de nous être présentés par RFF sont inacceptables. Et dans ce territoire où nous sommes, c'est-à-dire le canton du Bossé, la communauté sous Sainte-Baume, c'est un véritable massacre ce qui est proposé. Alors, que la gare soit à la Seine, que la gare soit à Toulon Centre, que la gare soit à Toulon Ouest, à Toulon Est, les tracés sont inacceptables. On nous avait dit dans la lettre de cadrage, je dirais, qu'on nous protégerait l'environnement, qu'on protégerait les vignes, qu'on protégerait les exploitations, qu'on protégerait et qu'on serait notamment sur les lignes existantes, qu'on serait en tunnel. Or aujourd'hui, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et ici, à l'endroit où nous sommes, quel que soit le moment, et la population le dit non, on n'est pas d'accord sur ces tracés. Impressionné par la mobilisation ? Non, je trouve que c'est normal, c'est un sujet d'importance et que la population a raison de se l'approprier, ce projet, puisque c'est de son territoire dont il s'agit. Comment vous, élu, allez-vous intervenir sur ce dossier ? Alors, aujourd'hui, en tant qu'élu, je suis parlementaire, donc je vais effectivement, j'ai déjà demandé un entretien avec le ministre, M. Thierry Mariani. Je pense que d'autres élus se joindront à moi. Et on espère pouvoir lui en parler pour lui expliquer exactement la situation. Manifestement, ce genre de manifestation peut peser aussi sur le... Oui, c'est important. Je pense que l'élu est plus fort si la population est derrière lui. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Oh!
rencontre qui se présente sous le signe de la mobilisation, de la détermination et de la bonne humeur. Tout de suite, là, je voudrais faire un signe et remercier les commerçants et les habitants du Bossé pour leur compréhension par rapport aux perturbations qu'on pourrait provoquer là pendant 2-3 heures. Mais je pense qu'il vaut mieux ça que 20 ans de cauchemar et un cadeau empoisonné pour nos enfants et nos petits-enfants. Je voudrais remercier la mairie du Bossé, monsieur le maire Jean-Claude Richard, qui nous reçoit ici et qui nous a mis à disposition cette sono et qui a organisé la sécurité d'accès au village avec la police municipale et la gendarmerie. Et je pense que jusqu'ici tout s'est très bien passé, on vous remercie. Je voudrais saluer aussi tout de suite les élus qui sont ici, ils sont très nombreux et c'est remarquable. Donc je voudrais saluer donc Joseph Ponce, député, les élus de toutes les mairies de Sud-Sainte-Baume qui sont là, de la Cadière, du Castelet, de Saint-Cyr, Signes, Ribous, d'Evenos, de Bandol, de Sanary. Et attendez, c'est pas fini. Il y a aussi avec nous aujourd'hui qui nous ont rejoints des élus et des gens d'Olioul, d'Aubagne. Le conseil général est présenté et le conseil régional aussi. Bon, merci pour ces nombreux. Je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais on est bien à 1000, 2000, 3000, on ne sait pas encore. On va le savoir à la fin de la matinée. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, je suis Bruno Vadon, je suis coprésident de l'association Arc-en-Ciel, membre du collectif Stop LGV Sud-Sainte-Baume qui a appelé à cette manifestation. Je vais avoir la lourde tâche donc, de faire passer les prises de parole des différents intervenants. Je leur demande déjà à tous ceux qui vont intervenir de se rapprocher ici du micro pour qu'ils soient prêts. Et je vais juste dire quelques mots d'introduction. Je crois que nous avons aujourd'hui, tous ensemble, un seul objectif. L'abandon pur et simple du projet de ligne à grande vitesse que voudrait nous imposer Réseau Ferré de France et les élus des trois métropoles du Sud, car il faut les nommer, messieurs Gaudin, Falco et Estrosi. À quel moment nous ont-ils demandé à nous, provençaux, de quel type de transport nous avons besoin? Jamais. Alors, je ne vais pas reprendre tous les arguments qui vont être développés par les intervenants. Moi, je retiens pour l'instant juste un chiffre, 20 milliards pour gagner 20 minutes. C'est complètement absurde. Et nos besoins à nous sont ailleurs, en ce qui concerne les transports locaux et de proximité. Aussi, je dis que la LGV, on n'en veut pas, ni ici, ni ailleurs. Au pays. Dès que nous avons pris connaissance du processus lancé par RFF, il y a un mois et demi, plusieurs associations et groupes se sont réunis, locaux, pour informer la population et la mobiliser. Et les élus se sont rejoints à nous et on a créé donc ce collectif Stop LGV Sud-Sainte-Baume qui depuis n'a fait que se renforcer. La pétition que nous avons lancée il y a quelques jours sur Internet, il y a quelques semaines, a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures, et je sais que toutes les associations ici, tous les collectifs, ont fait de même. Ça veut dire qu'il y a plusieurs, voire des dizaines de milliers de signataires déjà contre ce projet. Rappelons aussi que, dès le 21 octobre dernier, les viticulteurs de l'Est et de l'Ouest toulonnais, rejoints par de nombreux citoyens, ont organisé une manifestation qui a marqué une première étape spectaculaire dans la contestation. Aujourd'hui, c'est donc à notre tour, à la population de Sud-Sainte-Baume et des environs, de montrer notre opposition au projet. Cette manifestation a été appelée par le collectif Sud-Sainte-Baume et je vous en donne la constitution aujourd'hui. L'association Arc-en-Ciel du Bossé.
Vous pouvez crier à chaque fois, hein, c'est pas interdit. L'association de défense de l'environnement, ADE Devenos. Le groupe local Europe Écologie Les Verts Sud Sainte-Baume. L'association Attaque. Le parti Occitane. Le collectif du 19 mai, le Bossier de Castellet. Le collectif Stop LGV Sanary. L'association de défense des salariés. L'association ARPS, le Bossé. La liste est longue, hein, j'ai pas fini. Le CIQ du camp du Castellet. L'association Cactus du camp du Castellet. Le CIL Nord-Est du Bossé. Le CIL de la Couchois au Bossé. L'association des propriétaires forestiers du Gros Cerveau, salariés. Les sociétés de chasse, la Castellane sur le Castellet. Ouais. La société de chasse du Bossé. Ouais. La société de chasse l'Azur, la Cadière. Ouais. La coopérative oléicole, la Castellane, au Castellet. Du Castellet. L'association Muraille Longue, à la Cadière. Ouais. La coopérative La Roque, à la Cadière. Ouais. Les jeunes agriculteurs de l'ère bandolaise. Ouais. De nombreux vignerons du Bandol. Et de très nombreux citoyens et citoyennes à titre individuel et personnel, et le collectif s'élargit de jour en jour. Je voudrais signaler aussi aujourd'hui la présence d'une représentante de la mairie d'Aubagne, et du collectif Tout Aubagne contre la LGV. Ils sont là aujourd'hui avec nous, et on s'est mis d'accord pour que quand il y aura des manifestations chez eux, on ira aussi les soutenir. Il y a aussi l'association Vigilance Vérité de Bandol et bien d'autres que j'oublie malheureusement, que je ne peux pas citer. Voilà, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Donc on va passer aux prises de parole. Ce projet, et nous ont rejoint et soutenu notre mouvement. Leur présence aujourd'hui est très forte, symbolique, et on l'apprécie. Alors, ne tombons pas. Ne tombons pas dans le piège consistant à opposer les divers tracés et ne nous laissons pas entraîner par les clivages partisans. On est tous ensemble aujourd'hui pour un seul objectif. Citoyens, associations, organisations professionnelles, acteurs économiques. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par le collectif Stop LGV Sud-Sainte-Baume. C'est Isabelle Mercadal, qui est une simple citoyenne du Bossé, membre du collectif, qui va nous lire le texte que nous avons rédigé pour cette rencontre aujourd'hui.